Allô? Allô? Allô, Edmond? C'est toi, Edmond? Bonjour, mon chéri, comment vas-tu? C'est une bonne idée de m'appeler, j'essayais de te joindre toute la journée, ça ne répondait pas. Comment ça, ça répondait pas? Tu es à la maison? Non, je suis à Annecy. Comment, Jean-Pierre, t'as pas fait la commission? Que tu racontes, Jean-Pierre? Jean-Pierre n'a pas pu me faire la commission, je lui ai dit que ça répondait pas. Il n'y avait personne à la maison. Ben alors, comment as-tu su que j'étais à Annecy? Écoute, j'en sais rien, c'est toi qui me l'apprends. Et puis d'abord, pourquoi t'es-tu arrêté à Annecy? Hein? Pourquoi je me suis arrêté à Annecy? Edmond, je crois que c'est le moment où jamais de lui expliquer. Qu'est-ce que tu dis? Et non, pas maintenant! Pas maintenant? Quoi ça, pas maintenant? Allô, Edmond? Janice, je t'en supplie. J'entends plus rien, tu m'entends? Oui, comprends-moi. Je croyais qu'on était coupés. J'ai compris. Pourquoi me dis-tu pas maintenant? Enfin, Edmond, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est... C'est la bonne. Oui, c'est la femme de chambre de l'hôtel. La bonne. La bonne? Et elle t'appelle Edmond? Mais enfin, dans quel hôtel es-tu? Ben, à l'hôtel Albini, comme d'habitude. À l'hôtel Albini? La bonne? Et la bonne t'appelle par ton prénom? À l'hôtel Albini? C'est invraisemblable. Tu ne peux pas laisser une bonne t'appeler Edmond? Même à l'hôtel Albini. C'est complètement inadmissible. Je sais que tu es un habitué, mais il y a des limites. Eh oui, je sais, le service n'est plus ce qu'il était. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Non, Janice. Mais tu m'entends? Comprends-moi. Mais je te comprends très bien. Je te comprends. C'est tout ça pour ce moment-là. Je te traitais n'importe comment. Je t'entends pas. Elle ne m'a pas appelé Edmond. Elle m'a demandé, est-ce que vous voulez un édredon? Mais enfin, Edmond, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Je te trouve bizarre. Comment ça, je te parais bizarre? Ah si, je te jure que t'es bizarre. Ah! Oh, jolie! Hein? Ne me vois pas. Oui. Tu viens d'appeler le gérant. Oui. Tu peux pas laisser passer une chose pareille. Hein? Tu n'as qu'à demander à changer de chambre. Oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison, je vais changer de chambre, oui. Promis, hein? Oui, à bientôt, je t'embrasse très fort. Je t'embrasse. Oui. Tu promets, hein? Oui! Puis sois prudent sur la route, chérie. Au revoir.